Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, comme vous pouvez le voir. Pour une journée très très chargée, j'ai un milliard de choses à faire aujourd'hui. Là je viens de me réveiller, je sors de la douche, j'ai enfilé une petite robe midi, mais je pense que je vais la changer puisque j'ai pas finalement envie de m'habiller comme ça aujourd'hui. Au programme de la journée, je dois aller manger chez mes grands-parents et réparer leur ordinateur, donc voilà. J'ai un milliard de linge à plier, plein de ménage à faire. J'ai beaucoup de choses à faire, à préparer pour l'école aussi également. Je dois aller déposer un colis à la poste. Là, ce matin, il faut absolument que je fasse la miniature et toute la description, etc. de ma vidéo qui sortira à 16h. Donc si vous l'avez raté d'ailleurs, je vous la mettrai juste ici. Je dois aller en course, j'ai trop de choses à faire, me préinscrire à la danse. Voilà, donc une journée marathon comme je les appelle. Et voilà, donc j'ai décidé de vous emmener avec moi. Et là pour le moment, eh bien on va aller se faire un petit ravalement de façade, parce que c'est-à-dire que ma tête c'est une catastrophe. C'est parti pour cette journée bien chargée. Avant de me faire le ravalement de façade, tant que j'y pense, je voulais vous montrer 2-3 trucs sous la douche que je viens d'utiliser. Il y a cette gelée que j'utilise depuis un petit moment maintenant de chez Nuxe, Aquabella, que j'ai reçue de la part d'Octoly, que j'avais commandé sur le site. Et bah, franchement j'adore. J'ai également une genre de crème, plutôt un gel pour toute la journée en fait, que je mets le matin, et c'est super, j'aime beaucoup. Bah, les produits Nuxe, je vous en ai déjà parlé des tonnes et des tonnes et des milliards de fois, et franchement ils sont géniaux. Et alors là je l'ai testé depuis 2 jours, c'est ce bain aux huiles, enfin aux plantes relaxantes de chez Clarins, mais ça sent très fort les huiles essentielles. C'est clairement pas mon odeur préférée de chez Clarins, mais par contre, comme tous les produits Clarins, c'est un produit de super qualité. J'ai reçu l'huile également et la bougie qui va avec cette odeur. La bougie, je la fais brûler souvent le soir en fait, ou bien quand j'ai fini de faire mon ménage dans mon salon, et ça sent clairement le spa à la maison. Donc j'aime beaucoup. Pareil, je l'avais commandé sur Octoly, et voilà. Bon, je pense qu'il est clairement temps de se refaire une gueule, parce que là je ne vais pas sortir comme ça. On dirait que je ne sais pas, on dirait que je suis très fatiguée, mais en réalité je suis très fatiguée. J'ai eu une semaine très éprouvante la semaine dernière. Je pense que la fatigue se lit encore sur mon visage. Donc c'est parti pour le ravalement de façade. J'ai fait un make-up super simple. J'ai mis du fond de teint, de la poudre, du mascara. J'ai fait mes sourcils et j'ai fixé le tout. Et d'ailleurs je m'étais commandé 2 trucs sur Octoly. Le premier c'est ce mascara de chez Yves Saint Laurent. Je l'aime trop, franchement il est trop beau. Alors déjà il est rose, il est trop joli. Et la brosse est incurvée comme ça. Je trouve ça vraiment génial. Et je l'utilise depuis quoi, une petite semaine, et franchement j'aime beaucoup. Voilà, de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, mais ça franchement c'est de la bombe. Et je m'étais commandé également sur Octoly la Fix Plus de chez MAC. En fait bizarrement je l'avais jamais testé, enfin c'est un truc que j'utilisais pas forcément. Et là je m'étais dit, avec le spectacle de danse et tout, on a souvent des maquillages très chargés pour la scène. Franchement j'en suis pas déçue, c'est vraiment de la bombe, ça sent méga bon, ça sent juste trop bon. Donc voilà, en fait à chaque fois à la fin du make-up, et ben, j'en pulvérise quelques sprays sur le visage, je fais sécher, et voilà. On peut le mettre aussi avant le make-up. Perso j'utilise plutôt après. Ça j'adore, cette brume là fixante, vraiment trop bien. Et bon voilà, c'est des produits MAC quoi, c'est de la bombe. Maintenant que le make-up est fait, je vais aller m'occuper de cette tignasse que je sais clairement pas à quoi faire. J'ai pas forcément envie de les laver aujourd'hui, ils ont pas trop de forme. Voilà, c'est un petit peu compliqué, un problème de fille je crois. Et après il faut vraiment que je m'active pour aller faire ma miniature et tout. Donc let's go. Bon les amis, ma miniature est faite, la description, tout est prêt pour 16h pour que ma vidéo puisse sortir comme il faut. Là vous pouvez le voir juste ici, j'ai énormément de linge à plier, et le pire c'est qu'il y en a encore sur le canapé qui est là. Donc je vais commencer à plier. J'ai été me changer, j'ai mis un t-shirt et un jogging jusqu'à ce que je me change encore pour partir chez mes grands-parents. Donc là c'est pliage de linge, je viens de faire ma chambre, je suis toujours pas coiffée mais on va y arriver. Allez, on va y arriver, on y croit. Bonjour mademoiselle, toi. Oh, qui c'est? Bonjour. Bonjour le vlog. Qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est un petit bébé toujours collé à sa maman.
Et oui, qui est toujours avec moi. Voilà, toujours, peu importe où je vais, elle me suit. Toujours à côté, jamais bien loin. Donc voilà, en tout cas, là c'est clairement le bordel. Je vais déjà plier les affaires de Dadou, ça sera fait. Voilà, là on est sur un bon petit budget niveau lessive et adoucissant quoi. Bon, je vous retrouve, il est midi moins 10, je vais pas tarder à partir. Ça y est, je suis fin prête, je c'est promis, j'arrête de me changer. J'ai mis ma combinaison Bershka que je vous avais présentée dans mon haul il y a 3-4 semaines, je crois, je sais plus. Je vous mettrai juste ici si vous l'avez raté, il y avait des chouettes pièces. Enfin, moi je le trouve en tout cas. Donc là, j'ai plié les affaires de Dadou, j'ai étendu une lessive, j'en ai remis une autre que j'ai eu le temps d'étendre aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini de me préparer, voilà, j'ai préparé ma liste de courses, j'ai préparé tout ce que je devais prendre. Il me manque plus qu'à prendre des sacs de courses pour après parce que j'irai directement en cours, je vais pas repasser chez moi tout ça. Voilà, j'ai un colis à aller chercher là et en même temps il faut que j'en dépose un autre. Voilà, et ensuite direction chez mon papy, ma petite mamie d'amour. Et voilà, allez, c'est parti. Ça y est, je vous retrouve, je viens de rentrer à la maison. J'ai terminé mes cours, j'ai été me préinscrire à la danse. Je suis passée chez Gémeaux, j'ai trouvé plein de petits trucs. Je vais vous montrer ça juste après parce que j'ai aussi récupéré un colis de chez Pinky que j'avais passé sur le showroom privé. Voilà, donc je vous montrerai tout ça. Avant ça, je vais déballer mes cours, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce qu'en général, vous aimez bien. Et voilà. Alors, voici le butin. J'ai pas fait des trop grosses courses, quoique vu d'ici, on a l'impression qu'il y en a pour 25 personnes, mais non, franchement, ça va. J'ai donc pris une petite pastèque parce qu'on adore ça, le soupline comme ça, c'est mon préféré clairement, des pommes, des bananes, des tomates, des kiwis parce que Dadou en mange beaucoup le matin, du coslo pour moi, des carottes râpées pour lui, des œufs parce que nous sommes des bouffeurs d'œufs à gogo, donc j'en prends toujours 20, de la scarole, des pâtés pour cachou, j'en ai pris 2. Ensuite j'ai pris des Mighty, il y avait une bouteille achetée, une offerte. J'ai pris celui au Murmurtee et également à la pêche blanche. Des cotons et des petites éponges. De la mozza, j'en mange beaucoup moins qu'avant, mais alors clairement genre 10 fois moins. Et parce que je me suis rendu compte sur Yuka, l'application que j'utilise, que la compo est dégueulasse. Donc là j'en ai repris une, ça fait peut-être un mois que j'en ai pas mangé. Ma petite Alex, je t'avais promis une dédicace, c'est eh bien ces olives là dont je te parlais hier qui sont juste voilà, trop bonnes. J'ai repris du coca zéro, un concombre, du riz pour Dadou, des danettes vanille pour moi et au chocolat pour David. Ça c'est des petites pommes de terre à faire au micro-ondes, super pratique. Deux pizzas parce que quand on a la flemme de se faire à manger, c'est vite fait et voilà, ça se mange tout seul. Des pâtes, on n'en avait plus. J'ai pris tout ça de thon parce que David en raffole avec de la tomate, il mange souvent ça le soir. J'ai pris des brugnons, du surimi et des rillettes de thon. Ça aussi Alex, on en a parlé hier et celles-ci sont clairement trop bonnes. Voilà, en gros le butin, je pense que là on est plutôt pas mal. Donc c'est parti, je vais ranger tout ça. Alors voici mes emplettes de chez Gémeaux. J'ai trouvé pas mal de petits trucs. La première chose, je me suis pris une petite paire de sandales comme ça. En fait, avant de commencer à tout vous montrer, il y a les ventes privées Gémeaux avant les soldes. Et clairement, si vous avez la carte Gémeaux, eh bien filez-y parce que franchement ça vaut trop le coup. J'ai eu avec les étiquettes du LED, c'est moins 50 je crois, il y a du moins 70, enfin bref, ça vaut ultra le coup. Donc je me suis pris cette petite paire de sandales, voilà, toutes simples, dorées, et je trouve qu'elles sont très jolies. Je me suis pris aussi des petits chouchous qui n'ont rien à voir. Ensuite je me suis pris des sockets parce que j'en avais plus et qu'en ce moment comme on voit beaucoup les chevilles et tout, j'en avais besoin et clairement j'en avais plus du tout. Voilà, Dadou me les pique toutes, alors du coup je me retrouve malheureuse. Bref, je me suis pris également plein de petits shorts comme ça pour dormir la nuit. Ils sont super jolis, vous savez, en effet satin un petit peu. Je les ai tous pris en 34, 36 ou XS je crois, pareil, moins 50% de 7,99€, donc 4€ à peine le short, ça valait super le coup. J'ai pris celui-ci qui est très joli dans les tons kaki, celui-ci noir avec de jolis imprimés fleuris, et également celui-ci plutôt dans les tons roses avec des petits pélicans et tout, trop beau.
Ensuite, j'ai pris un petit haut pour dormir, mais je sais pas si je le mettrai pour dormir, parce que franchement, je le trouve même joli pour la vie de tous les jours. C'est un petit haut comme ça. Cette fois-ci, j'ai pris en M, parce que moi, vous savez que j'aime pas trop que ça me moule au niveau du buste et tout. Donc voilà, un petit haut pareil, marinière, super, dans un coton assez épais et très agréable, je pense. Je me suis pris également une paire de chaussons, parce que les miens sont clairement défraîchis. Si c'est même pas le mot qu'il faut, je crois. Donc voilà, une paire de chaussons basiques, parce que j'aime bien avoir des chaussons. Bref, et enfin une longue robe. Alors attendez, est-ce que je vais réussir à vous la montrer? Celle-ci était à moins 30%. Une très très longue robe avec des motifs comme ceci, un petit peu wax. Et j'aime beaucoup, j'ai prise en taille 36. Je pense qu'elle va être un peu grande, mais il n'y avait pas 34. Et voilà, pareil, je l'ai eu à 30€, moins 30%, ça valait ultra le coup. Donc voilà les petites emplettes chez Gémeaux, Gémeaux que j'aime toujours autant. D'ailleurs, samedi, je vous filme un lookbook Gémeaux de l'été. Croyez-moi, il y a des pièces juste trop, trop, trop canon. Alors, j'ai aussi passé une commande sur showroom privé. Il y avait une vente Pinky en fait. Donc je vais vous montrer les petits trucs que j'ai trouvé, parce que là, clairement, dans les plastiques, ça vous parle pas du tout, je pense. Bon, je suis navrée, je vous montre ça à l'arrache. Mais la première chose, c'est donc un grand gilet tout douille-douille comme ça, vraiment gris, très clair. Et en fait, vous savez qu'en hiver, j'adore les gros gilets tout chauds où on peut s'en mitoufler dedans. Voilà, donc je l'ai bien kiffé. Il est assez long, il arrive entre le haut et le milieu de la cuisse, on va dire ça. Mais voilà, franchement, je l'aime beaucoup, il a l'air trop confortable. Ensuite, je me suis pris un pantalon carotte comme ceci. Donc, je sais qu'il va pas plaire à tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve que le vert comme ça, avec les fleurs et tout, il est trop beau. Il a un effet un petit peu satiné. Je pense que vous pouvez le voir avec la lumière. Voilà, je l'ai pris en taille 34 et franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris un petit pull rose vraiment douille-douille à fond les ballons. Il est juste trop agréable. Rose comme ça, je me suis dit qu'avec un jean assez clair, ça pouvait faire assez sympa. Je me suis pris cette jupe qui n'a rien à voir avec l'été, mais que je trouve très belle pour les fêtes en fait de fin d'année. Et j'ai pas de jupe dans ce style là, donc voilà, pareil, je l'ai pris en taille S et je la trouve très jolie. Et enfin, j'ai pris ce pantalon qui est donc un pantalon assez boyfriend, voilà, en taille 34. Et je viens de voir qu'en fait il y avait ça décrit derrière. Je suis pas fan. je savais pas qu'il y avait ça en fait, j'avais pas fait gaffe. Moi, vous savez que tout ce qui est motif un peu de ce style là, c'est pas trop ma cam. Voilà, à voir si porter ça se voit beaucoup ou pas, je sais pas, c'est donc à l'arrière derrière les chevilles. Je sais pas. Bon, alors là j'ai juste essayé le petit pull. J'aime beaucoup la couleur, franchement j'aime bien. Par contre le pantalon, voilà, c'est un 34 pourtant, mais il est trop grand quoi, donc il va falloir que je le rende, parce que là même avec une ceinture ça risque de faire des plis, c'est pas top. Je suis un peu deg parce que j'aimais beaucoup la couleur, mais bon, c'est comme ça, j'ai vraiment du mal à trouver des pantalons qui me vont, donc celui-là ne sera pas pour moi. Les amis, oui, je me suis encore changée, parce que là clairement à Paris il fait 30-31, il fait vraiment chaud aujourd'hui, et j'avais envie d'être à l'aise, parce que là je vais me mettre à travailler pour l'école. Attendez, parce que maman fait pas à l'heure, un enfant à jouer avec. Il est 17h21 donc je pense que j'en ai pour pas très longtemps. Je dois en avoir pour à peu près 1h30. Il faut que je prépare plein de trucs pour ma sortie. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot à faire. Voilà, donc c'est parti pour le boulot. J'ai clairement la flemme, mais il faut le faire. Bon, ça y est, le boulot pour l'école, il est fait. Je suis contente, j'ai été plus rapide que prévu. Maintenant, je vais pouvoir aller faire le ménage en bas. C'est une journée et vraiment, j'ai pas 5 minutes à moi, c'est une horreur. La vidéo est sortie à 16h et j'ai l'impression qu'elle vous plaît. Donc, je suis vraiment contente, j'ai des bons retours dessus et tout. Ça me fait vraiment plaisir. Et tant que j'y pense, vous me demandez tout le temps d'où viennent mes bijoux. Donc je voulais vous faire un petit point, ce médaillon que je porte tout le temps autour de mon cou, en fait c'est une chaîne toute simple que j'avais achetée toute seule en fait.
avec un petit médaillon où dessus il y a écrit la date de mariage de mes parents et au dos le prénom de mes sœurs. Et en ce qui concerne mes bagues, ce sont des bagues qui viennent du site Who We Are. Je sais pas, mon accent anglais est vraiment merdique. Et franchement, c'est un site que je kiffe genre de trop. J'adore les bijoux. Je vous en ai parlé sur Instagram il y a pas si longtemps que ça. C'est une marque vraiment top. Les bijoux sont canons. J'adore le style, j'adore la qualité, j'adore tout. En plus de ça, sur chaque vente, ils reversent de l'argent à Action pour contre la faim, la SPA, tout ça, tout ça. Donc vraiment une super belle boîte, une super. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Tout est made in France et tout. Donc voilà, franchement j'aime trop. Et donc là ma montre c'est une Cluse. Et de l'autre côté, attendez, ne bougez pas, j'ai mon Pandora. Et voilà, donc petit point sur les bijoux fait comme ça, peut-être que ça vous tentera. Je vous mettrai le lien de toute façon du site Who We Are en barre d'infos. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, faites attention, vous risquez de craquer, clairement, je vous le dis. Et voilà, donc pour moi maintenant, c'est ménage, encore et encore. Vous voyez comme quoi, même les incites le mercredi, en fait, elles ne s'arrêtent pas. Bon les amis, je vous retrouve au même endroit que tout à l'heure. Mais entre temps j'ai fait plein de choses. J'ai tendu une lessive, j'ai plié du linge, j'ai passé l'aspirateur, j'ai lavé par terre. Enfin bref, je suis une vraie petite fée du logis. Comme vous pouvez le voir, je suis littéralement affalée sur mon lit. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais pas vous embêter plus longtemps parce que le reste de la soirée va clairement pas être très très productif. Et voilà, j'espère que donc ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, vous savez, comme ça me fait toujours plaisir. Et puis quant à moi, bien, je vous donne rendez-vous très très vite sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo pour un vlog, je ne sais pas quand, mais en tout cas pour une prochaine vidéo mercredi. Et puis voilà, j'arrête de vous embêter plus et je vous fais de gros bisous comme chaque semaine et je vous dis à très vite. Ciao ciao.